Je m'appelle Sandrine Guilouano, je suis cadre de santé depuis 10 ans, issue de la filière médico-technique. J'encadre depuis 3 ans l'équipe de biochimie générale et j'ai repris depuis quelques temps l'accueil centralisé des prélèvements, équipe que j'ai encadrée à l'IBC il y a 10 ans. J'ai eu de nombreuses années d'expérience en laboratoire privé, en clinique, à l'EFS. J'ai travaillé dans différentes régions et vécu 2 ans en Espagne. Mon mari a été muté à Rouen en 2009 et donc toute la famille a suivi. J'ai toujours été attachée aux valeurs de l'hôpital public. J'ai profité de mon arrivée dans la région pour préparer le concours et intégrer l'IFCS du CHU de Rouen. Et à l'issue de cette formation, j'ai eu la chance que l'on me propose un poste à l'IBC, à l'Institut de biologie clinique. Pour commencer, c'est un métier riche d'une multitude d'activités. Globalement, il consiste à encadrer des équipes pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles en interface avec l'encadrement supérieur et en collaboration avec le chef de service et les biologistes. La gestion des équipes se fait dans un souci constant d'une meilleure prise en charge du patient, mais également en essayant de créer un climat de travail le plus favorable possible pour tous. Je suis membre de la commission de biologie délocalisée. Donc les examens de biologie délocalisée sont des examens dont la phase analytique est réalisée en dehors du laboratoire, à proximité du patient et dont le résultat est utilisé pour une décision thérapeutique urgente. Donc nous travaillons donc en collaboration avec les pôles cliniques qui possèdent des automates de biologie délocalisée. Le secteur préanalytique également est un secteur transversal puisque nous travaillons avec tous les services du pôle B2P, mais aussi avec les services de soins et les établissements extérieurs. Je suis également membre des CREX préanalytiques et analytiques du pôle B2P. C'est un métier riche en activités diverses, ce qui évite la routine. J'aime les échanges d'idées pour avancer ensemble vers l'amélioration continue. J'aime également ce métier pour les relations humaines. J'aime être à l'écoute des agents. Nous sommes parfois juste une oreille, mais c'est important, je pense. Et je pense aussi que nous avons un rôle clé dans la vie de l'équipe et donc dans la bonne marche du service.